Selon moi, il faut participer à l'afterwork transmission reprise de la CCI parce que c'est un lieu où vous retrouvez en fait tous les interlocuteurs incontournables de la transmission reprise et vous pourrez avoir tous vos renseignements et des informations pour vous aider parce qu'il y a beaucoup de dispositifs sur les projets de reprise. L'environnement de la transmission est quand même assez riche en France, que ce soit les experts comptables, les banquiers, les conseils spécialisés, les avocats, etc. Donc faites-vous accompagner, faites-vous conseiller par les professionnels de cet environnement. Alors je suis là parce qu'on m'a invité à témoigner sur mon parcours d'accompagnement avec la CCI dans le cadre de cette reprise. Donc tout a commencé par une envie de reconversion professionnelle, d'envie de créer de reprendre ou de créer un restaurant avec mon mari qui lui était en train de passer son CAP cuisine. Et donc j'ai rencontré ma conseillère CCI à cette occasion-là pour discuter de cette reconversion professionnelle et pour voir si c'était envisageable de créer ou reprendre un resto. Ça a commencé déjà par me questionner moi sur ma capacité à créer ou à reprendre cette entreprise. Et puis une fois qu'on avait bien avancé avec ma conseillère sur ces sujets-là, sur quelles étaient les étapes pour préparer cette reconversion, eh bien, j'ai commencé à prospecter les établissements à céder sur la ville de Tours.